moi qui ai voulu venir au musée. Nous n'avons pas les mêmes goûts, mais nous avons le goût de nous passer nos goûts. Est-ce que tu viens avec moi chez Petri? Non. Je t'ai dit de m'accompagner ici, mais je ne viens pas chez Petri, non, pas question. Ah. Je suis de ceux qui ont foutu le festival de Venise en l'air en essayant de le politiser. Les producteurs l'ont boycotté, mais au moins je ne m'ennuie plus aux projections. Il y a un cocktail du comité de sélection, vous y êtes cordialement invité. Merci. J'aime bien le cinéma, mais pas ce qu'ils font. Et encore moins ceux qui en parlent. Et pan ! Michel Duchaussois, Mathieu Carrière, Sir Palaine, une nouvelle venue, et Roger Vadim sont les interprètes de Roger Vadim, auteur, metteur en scène et producteur de La jeune fille assassinée. Il y a tellement d'interférences dans la mise en scène d'un film, lorsqu'on dépend non seulement de la technique, mais du producteur, du distributeur, etc., que j'ai essayé de réunir les conditions pour faire un film à mon idée, totalement libre. Pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon expression actuellement, j'avais envie de faire un film sur des gens que je connais, sur un milieu que je connais bien, un contexte d'insouciance, de tristesse, une espèce de facilité de vie qui se mélange bizarrement à une angoisse de plus en plus sensible à la violence et à la mort qui rôde aujourd'hui. Et pour aller jusqu'au bout de mon idée, je pouvais que tout faire. Non, j'écris un bouquin. J'ai vraiment besoin de savoir comment votre femme est morte. Dites-moi, Terralier, vous devenez bougrement vulgaire. Hein? Ah bon? À côté de mon caractère, quand je fais les choses, j'aime bien les faire jusqu'au bout. Alors je me suis dit, après tout, j'ai été acteur, pourquoi? Puisque je n'ai pas trouvé l'acteur idéal de mon point de vue pour jouer ces personnages, pourquoi ne pas le faire moi-même? La dernière raison, et pas la moindre, que j'ai découverte ensuite, c'est que de jouer donne un éclairage complètement différent au film lorsqu'on est des deux côtés du microscope. C'est-à-dire que je suis celui qui expérimente, et en même temps, je suis l'objet expérimenté. Et je suis persuadé que je n'aurais pas tourné mon film comme je l'ai tourné si je n'avais pas été moi-même un des interprètes principaux de l'histoire. Elle a été assassinée il y a 2 mois. Guy, j'ai décidé de laisser tomber mon Freud criminel de paix. Je veux faire un bouquin sur Charlotte, dont elle serait le personnage clé. Tu te fous de moi? Je t'ai déjà filé 15 briques pour ton Freud. Ça te regarde. Mais moi, j'ai une date de parution. Change-la. Impossible. Moi, j'ai changé d'avis. Allez, raconte-moi ton truc. Je connais l'assassin. C'est toi? Non. Oui, c'est un romancier qui recherche une raison. Il l'a connu bien, mais très superficiellement. Comme lorsqu'on connaît des êtres qui vous intéressent, qui vous attirent, mais on ne se donne pas la peine de réfléchir, on ne se donne pas la peine de les connaître davantage. Et brusquement, il apprend que cette jeune fille qui avait tout, au fond, pour traverser la vie agréablement. Je l'avais rencontré chez des amis en week-end. Est-ce qu'elle fait de la magie? Non, de la chimie. Que pensez-vous de la mort? Mort, nom masculin, cessation définitive de la vie. Adjectif qui a cessé de vivre. Au bridge, celui des 4 joueurs qui étale son jeu sur la table. Merde. Une intellectuelle. Brusquement, termine à l'âge de 23 ans, morte d'une façon un peu lamentable, un peu bizarre. Et il s'est dit pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle se croyait trop libre et qu'elle n'était pas équipée pour être libre? Parce qu'au fond, c'est beaucoup plus difficile dans notre société actuellement d'être libre. Libre au sens de l'individualité, libre au sens anarchique du mot. Appartenant à un groupe, on peut trouver une certaine forme de liberté, mais la liberté anarchique est difficile. Est-ce que c'est parce qu'elle avait cette espèce d'angoisse, de besoin de se dépasser, d'aller trop loin? Est-ce que c'est une question tragique, un destin tragique? Est-ce que c'était prédestiné, écrit, comme un personnage de tragédie grecque? Est-ce que c'était le fait du hasard? Et peu à peu, il a voulu savoir, il s'est intéressé à ce personnage, au personnage qui l'entourait,
Et au fond, en faisant une enquête sur cette jeune fille et sa mort, il fait une enquête sur lui-même. Monsieur Borelli, est-ce que vous l'avez tué? J'ai tué ma mère, j'ai tué ma femme, et je vous tuerais volontiers maintenant si j'avais une arme. On arrête de jouer. Déculottez votre petite pensée, comme disait Monsieur André Gide. Vous étiez dans la rue, en bas de chez Charlotte, juste avant l'heure de sa mort, juste après. Vous avez dit le contraire à la police. J'ai vu des communistes devenir collaborateurs aux fascistes, des putains devenir saintes, mais des romanciers devenir flics, j'avais jamais vu. Il y a un critique de cinéma qui est joué par Michel Duchaussois. J'ai à vous parler de Charlotte. Est-ce qu'il faut vous corrompre, vous inviter chez Laurent, ou bien est-ce qu'on peut en parler tout de suite? On peut en parler tout de suite. Pourquoi vous a-t-elle épousé? Parce que je suis divin, courageux, lâche, drôle. On peut me détester, mais pas me résister. Borelli, vous avez une seconde? Pardon. Bonjour. J'ai trouvé votre film beau. Je l'ai épousée parce que j'étais amoureux d'elle. Et l'amour, c'est contagieux. Vous savez que je suis pédéraste? Je connais mes classiques. Est-ce que vous avez remarqué qu'un homosexuel ne dit jamais qu'il est un pédéraste, à moins d'être un minable ou un homme de grand talent? C'est un homme d'une grande culture, inquiet, angoissé, assez malheureux. Mais malheureux dans le sens où le malheur est une qualité. C'est-à-dire une façon d'être vulnérable, agressif, de recevoir et de rendre les coups. Beaucoup de charme, très très drôle. Mais ce qui avait très excitant, c'est que nous n'avions rien en commun. Elle aimait la campagne, pas moi. J'aime les bons films, pas elle. Moi, j'aime le sang, la merde, le festival de Cannes, pas elle. Elle aimait la poésie, la nourriture macrobiotique, les gourous, pas moi. Moi, j'aime le métro et l'odeur de travailleur, pas elle. Nous avions tout de même deux faiblesses en commun. Les films de vampires et les beaux hommes. Ce garçon, comme le chien du film de Carnet, je crois que c'était dans Quai des Brumes, qui cherche un maître, lui cherche une mère. L'amitié, une sorte de confort, de tendresse de la vie. Et cette jeune fille, mon héroïne, elle aussi cherche une mère, une famille. Et ils se retrouvent. Et ils forment un couple intéressant dans le sens où ça n'est, leur association, car ils vont se marier, n'est pas du tout basée sur une certaine forme de libertinage ou de recherche érotique bizarre, mais au contraire, comme des enfants qui se retrouvent et qui ont besoin l'un de l'autre pour s'aider. Tu as passé une bonne soirée? Ah oui, et toi? Superbe. Ah oui? Très, très bien commencé, franchement moins bien terminé. Un mec superbe qui m'a plaqué à minuit pour aller chez Régine rejoindre une fille. Toi, t'étais où? Ben, moi aussi, j'étais chez Régine, j'attendais Johnny. Johnny? Hein? Dis donc, ton Johnny, c'est pas un Californien très blond, une peau sublime, musclée de partout? Pourquoi tu le connais? Ben, ma salope. Oh, Serge, je te jure, je ne l'ai pas fait exprès. Ben, l'autre personnage, alors, il est beaucoup plus romantique, mais romantique au sens noir du terme. C'est-à-dire, c'est un personnage orgueilleux, lyrique par moment, qui va jusqu'au bout de ses intentions, mais qui, dans le fond, sous cette carapace de romantisme noir allemand, d'ailleurs il est allemand d'origine, est quelqu'un de très gâté. Eric, j'étais en train de regarder un tableau que j'ai hérité de Charlotte. Un jeune homme nu, sous son armure médiévale, à cheval sur une fourmi géante. Le jeune homme vous ressemble. C'est moi. J'aimerais le voir. Je vous l'achète. Je vous le donnerai peut-être. Quand venez-vous? Écoutez, vous m'assommez.
Soyez gentil, reposez le téléphone et attendez que je vous appelle. Il est en rupture de ban avec sa famille et qui traîne d'une grande ville à une autre grande ville, d'une extravagance à une autre extravagance, et qui recherche quelque chose qu'il n'a pas. Charlotte m'a souvent parlé de vous. Je vois qu'elle avait raison. Je ne la voyais plus depuis un an. Je le regrette d'ailleurs, je l'aimais beaucoup. Vous devriez écrire un livre sur elle. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais justement, moi je sais. Comment? C'est moi qui l'ai tuée. Ah. Vous vous inventez souvent? Vous ne me croyez pas? Non. Vous avez tort. Et qui va aller jusqu'au bout de cette recherche de l'intensité, du plaisir, au fond, de la mort. Beaucoup de personnages ont cette espèce de goût de la mort, de flirt avec l'idée de la mort, qui les sort un petit peu d'une certaine difficulté de vivre. J'ai perdu les 600 pages du manuscrit dans un bordel à Bangkok. Depuis, je n'écris plus. Qu'est-ce que vous faites, alors? Tout. Rien. Je tue le temps. Et les filles. Jusqu'à preuve du contraire, je trouve les actrices assommantes, les vedettes. Une jeune fille jeune a d'une part l'avantage de spontanéité, de fraîcheur, puisqu'elle est nouvelle. Elle essaye, elle est plus vierge en un certain sens. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est qu'un metteur en scène, au fond, a besoin d'avoir des enfants. Et quelqu'un qui, pour la première fois, est devant la caméra, a besoin d'aide, a besoin de se tourner vers le metteur en scène, de lui demander, d'avoir confiance, et finalement se libère complètement, se laisse aller, au moins pour une fois, avec une totale innocence. Ce qui fait qu'on peut trouver parfois, et souvent c'est unique, c'est pour une seule fois, quelque chose qui ne reviendra plus jamais ensuite, quand ce personnage devient conscient de ses possibilités, conscient de son talent ou de ses faiblesses aussi. Moi. Parce que tu sais. La Villa Médicis, qui accueille chaque année de jeunes artistes, reçoit pour 1974 un cinéaste de 30 ans, Daniel Duval. Il vient de tourner son premier long métrage, Le Voyage d'Amélie. Notre mort n'a elle-même de sens que par rapport à notre vie la plus vraie, celle où Dieu nous attend, celle à laquelle... C'est l'histoire à la fois funèbre et joyeuse de cinq zonards, cinq loulous. Pour se faire un peu d'argent, il convoie à sa dernière demeure l'époux d'une vieille dame digne et peu fortunée. Du coup, il découvre les joies de la campagne. Amen.